Alors avant de commencer l'intro, je tenais à vous dire que je suis désolée, je vais me dépêcher là parce que le stage il ouvre dans 20 minutes et j'ai pas encore démarré, du coup faut que je me dépêche. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire moi? Oui, pour cette vidéo, faut que je regarde l'objectif du téléphone. Parce qu'à chaque fois je me regarde moi, du coup dans mes commentaires on me dit « Eh, tu regardes ton mur là ou quoi ?» Nanana. Mais en fait c'est parce que comme je filme avec mon téléphone, l'objectif il est à gauche et du coup je me vois pas quand je filme. Du coup là j'essaie de regarder l'objectif mais ça va être compliqué. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, ce jour de match c'est normal. On joue contre le FC Lorient qui ont été promus en même temps que nous, donc ça va être un super beau match. Près de 33 000 supporters sont attendus, l'ambiance ça va être encore au rendez-vous, ça va être juste incroyable. Il n'y a pas trop d'absence du côté du Arsenal, donc ça devrait aller. Les grosses absences, on va dire, c'est Massa Djouaïdara qui s'est re-blessé comme la dernière fois. Il a joué la fin du match, mais il était encore blessé. Sa blessure, elle s'est un petit peu... elle est revenue, quoi. Et puis Cheick Doucouré qui a été suspendu deux matchs malheureusement, il reviendra en force pour le derby. Donc c'est pas grave, on l'attend de pied ferme. Je me suis dépêchée mais j'ai pas trop le temps. Du coup, à tout de suite au stade. Voilà, fallait s'en douter. Marie toujours en retard. Il y a les bouchons. Voilà. Ça m'énerve, je serais même pas là à l'ouverture du stade. La queue de l'ultramar. Bon, c'est bon, je suis enfin arrivée. Il y a du monde comme d'habitude. Par contre, j'ai eu un gros problème avec mon téléphone. Il s'est éteint, il a galéré à se rallumer. Donc j'espère que ça va pas me faire ça pendant le match. Voilà, on se retrouve dans le stade. Je suis dégoûtée, j'ai plus de place à la grille.
mi-temps, on mérite mieux, si vous voulez. On verra bien en deuxième mi-temps si on fait mieux. On m'entend pas, je crois. En tout cas, le coup franc de classe, il est magnifique. J'allais dire un but parce que j'avais parlé des buts. Si on peut retenir un truc, c'est que les deux buts, ils étaient magnifiques. Bon, du coup, c'est bien... Je suis bien rentrée, c'est la fin du vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai pu croiser quelques joueurs à la sortie. J'ai dû faire 5 photos, je crois. Et il est trop gentil, il s'est arrêté en plein milieu de la route juste pour prendre des photos avec nous. Après, on n'était plus beaucoup. Mais par contre, aujourd'hui, il y avait trop de monde. Genre, c'était impossible pour les joueurs de rester avec tout le monde parce qu'on était vraiment beaucoup à attendre à la sortie. C'est dommage. Mais bon, après, tout le monde a envie de les voir aussi, donc c'est compréhensible. Sinon, je trouve qu'on a fait un bon match. Ah oui, j'ai croisé beaucoup d'abonnés. J'étais contente aujourd'hui. J'ai croisé pas mal d'abonnés. Ça faisait super plaisir. Et puis, sinon, c'était un beau match. Il y avait une super ambiance comme d'habitude. C'est dommage qu'on ait fait match nul parce qu'on mérite la victoire. C'est juste que...
Enfin, nos joueurs, ils ont peur de marquer. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore de vrai buteur. Quand le problème là il sera réglé, ça ira beaucoup mieux et je pense qu'on gagnera plus de matchs. Mais sinon, même quand on est mené en score, on lâche pas. Quand, enfin, on essaie toujours quand même d'aller marquer. À part en deuxième période, je trouve qu'on a moins bien joué en deuxième période. On s'est un peu relâché, mais sinon la première période a été top. On a super bien joué. Et puis, bah voilà, hein, j'ai pas. Je suis pas une journaliste sportive professionnelle, alors je vais pas vous analyser tout le match. Juste que c'était un beau match et que on n'a pas à se plaindre de notre équipe et qu'on ira loin cette saison. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, commenter, partager. Ça me ferait super plaisir pour élargir encore plus la communauté, hein, parce que mine de rien, on commence à être beaucoup. En vrai, déjà sur TikTok, on est bientôt 100 000. Ici, on a dépassé les 3 000 et c'est arrivé super rapidement, ça, parce que ça fait pas longtemps que je me suis lancée sur YouTube, mais ça me fait super plaisir. Et puis, j'allais vous dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié. Ah oui, les commentaires, ils se dé... Est-ce qu'il y en a qui s'y connaissent sur YouTube ou pas? Parce que les commentaires, quand je poste ma vidéo, ils se désactivent automatiquement. Alors que je mets autoriser les commentaires. Du coup, je suis encore obligée de les réautoriser et ils se redésactivent. Et je suis obligée de faire ça plusieurs fois. Du coup, si vous savez, dites-le moi en commentaire. Mais si vous voyez que les commentaires sont désactivés, revenez dans plusieurs minutes ou dans 1 heure ou un truc comme ça, ou même demain. Les commentaires, ils seront réactivés de toute façon. Après, ils se désactivent plus. Ça fait ça quelques fois, c'est tout. Mais juste si vous savez, parce que c'est super chiant, des fois, je vous demande de commenter. Et puis au final, c'est désactivé, donc vous pouvez pas commenter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous mettrai les photos que j'ai fait avec les joueurs juste après. Bon, j'en ai que 5 et puis en plus la photo avec S, je parle et il parle aussi. Donc la photo elle est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bonne journée tout le monde. Dormez bien. Ciao.